Eh bien, salut tout le monde, c'est Liner, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je suis actuellement sur Assassin's Creed 4 Black Flag, comme d'habitude, pour la suite de notre petit let's play. Donc je vais lancer tout de suite cette petite mission donc, qui s'appelle la conspiration des poudres. Donc c'est parti. Regarde-les, ces traîtres. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands airs de cette ordure d'Hornigold, ça me rend malade. Ma foi, vous êtes un homme de principe, capitaine Hornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience, on survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Eh bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. L'assaut est fini, on n'y peut plus rien. On doit filer d'ici ce soir, on se retrouvera à mon campement. Ça me va, qu'est-ce que t'as prévu? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il n'a jamais su s'en servir. Je ne veux pas te contredire. Bon. Toi, tu vas voler la poudre, et puis moi, je m'occupe de la poids. Bien, alors, on doit voler 4 barils de poudre pour faire une évasion. Une évasion, donc. Très intéressant, c'est un projet qui m'excite totalement. J'ai l'impression de voir ce que ça va donner. Alors. Hop. Hop, là. Ouais, je m'en doutais que c'était des zones... Non, j'ai rien fait. Ah oui, c'est vrai, il faut les voler, donc logiquement, c'est pas légal. Donc, on va se les faire. Voilà. Alors, on va se les faire, hein, c'est une situation vite fait. Ok. Ouh, joli le tombeau de la fin. Ok. Alors, du coup, on va aller récupérer la poudre qui est ici. Tiens, un petit coffre ici. Et un petit coffre. Voilà. Hop, ok, je vois le baril de poudre. Maintenir pour voler. Nos problèmes, on le fait. Voilà. Ok, alors. Ok, alors. Ça va faire le troisième là. Ok, alors on récupère le quatrième baril. Voilà, c'est génial, mission accomplie. Bon, vous l'avez sûrement vu passer en quelques secondes cette mission, hein, mais moi je l'ai senti passer, vous inquiétez pas. Ça doit faire même pas une minute qu'on tourne. Peut-être un peu plus. Bref, alors du coup, on va se rendre à la mission suivante. Bon, ce coup-ci, je vais pas vous faire d'ellipse parce qu'elle a l'air pas très très loin. Donc surtout, vous devez vous demander pourquoi je fais tant d'ellipses. Parce que tout simplement, j'ai reçu un MP sur YouTube qui m'a fait un peu de mal. Il m'a dit que je devais tout simplement faire un petit peu plus d'ellipse parce que les trajets sur Assassin's Creed sont assez longs. Mais bon, là, comme vu pour le coup qu'il est à côté de nous, eh bien, on va lancer cette mission. Voilà. En plus, vous avez la réponse pourquoi je fais tant d'ellipse maintenant. Allez, les gars, cinématique. C'est ce maudit chambre. Lieutenant. À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair? Aye, sir. Quelle charogne du bas monde. Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux? Sinon, on sera coincé ici. D'accord, je m'en occupe. L'Europe vous a rendu fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. Ah. Oh.
dois pas tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Ok, donc on doit aller tuer le Commodore. Qui c'est, je sais pas. Mais apparemment, on doit le tuer. Juste voilà. Donc à mon avis, ils vont sûrement nous emmener au Commodore, à ce soi-disant Commodore. D'ailleurs, en passant, vous me direz ce que vous en pensez du format avec un petit peu plus d'hélice. Personnellement, moi, je préfère, ça m'arrange un petit peu plus. Et tout de suite, mais je vous incite en aucun cas, là, c'est votre opinion. Hein, mais moi, personnellement, je vous le dis, je préfère. Mais par contre, si je vois que ça vous ferait, si ça vous plaît vraiment, vraiment pas, je n'hésiterai pas à repasser à l'ancien format. Mais pour moi, en attendant, si genre, il y a une personne qui me dit qu'elle aime pas, ben voilà, quoi, ça ne me dérangera pas plus que ça. Je veux juste pas se faire voir par les deux gogo là. C'est pas ça ce que ça fiche. Ah non, en fait, non. J'ai rien dit. Bon, on a été détecté, du coup, on va refaire cette petite magnifique mission. Alors. Aussi, vous avez été nombreux. Enfin, nombreux. Vous avez été, je crois, 5. Il y en a 5 qui m'ont demandé en commentaire. J'ai lu un commentaire. 2-3 commentaires, je crois pas 5, c'est un petit peu trop. J'ai eu 3 commentaires comme quoi il y avait plus de vidéos what the fuck, vous inquiétez pas, ça va revenir. J'ai trouvé un très bon jeu qui m'a été recommandé par un cousin, par un de mes cousins. Tout simplement. Ok, alors ne faisons pas détecter. Zut, c'est un peu débile. Complètement débile, vous me direz. Ah non. Non, c'est bon, on s'est pas fait détecter par l'autre gogo. Hein. Allez, allons tuer ce Commodore là. Toujours une mission discrète. Bon, vous savez bien que c'est pas notre truc, écoutez. Ok, laissez tomber, on s'est fait complètement détecter. Oh là là, ils deviennent de plus en plus coriaces. En plus, c'est un truc que je déteste. Les missions, comme celle-ci, les missions de discrétion. Où il faut suivre quelqu'un. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop en ce moment. Ce serait bien, à défaut d'Assassin's Creed 4 pour l'instant, que j'aurais pu repérer. Bref. Du coup, on va essayer de changer de technique. Oh non, en fait, on va même pas changer. On va refaire la même chose, on va aller assassiner le gars. Le gars qui nous embête légèrement. Ok. Ah non, suspends-toi, non. Ne te fais pas choper, ne te fais pas choper. Edouard. J'ai l'impression de parler à un chien, sérieux. Ok, tout va bien. Oulala. Mais tout va toujours bien, ne vous inquiétez pas. Non, mais j'ai pas perdu la cible, il me reste encore 20 secondes. Non, vous êtes sérieux? Ah non, sérieux, ça fout les boules, ça. Ça fout les boules, ce genre de machin. Ok, alors, excusez-moi, je baisse sur mon portable, voilà, parce que j'y repensais que maintenant. Normal, alors... Are you fucking seriously? Est-ce que j'ai le droit de tuer au moins?
Ok. On va retourner suivre les deux gars. Ah, c'est parce que je suis en zone interdite, j'avais pas regardé. C'est pour ça qu'ils me suivent tous. C'est pour ça, j'avais pas capté, d'accord. J'ai un peu débile, moi. Toujours dans mon petit nuage, là. Alors, attendez. On va essayer de fuir et de les rattraper. Peut-être bien tout simplement de se cacher. C'est bon, tout va bien normalement. Comment, en fait, non, tout va plus bien. Ok, ça en fait toujours un moins. Alors, hop, 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 je me demande s'ils m'ont tué. Ah! Oh non, les ordures. Ça va, on n'a pas été désynchronisé. C'est toujours ça. Alors, qu'on saute là-dedans. Ça n'a pas servi à grand-chose. J'ai évité de me rapprocher d'eux quand je recherchais, parce que là... Oh non, j'ai été détecté. Ok, ellipse. Ok, re tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, eh ben, je dois tuer le Commodore. Donc maintenant, on sait où il est. C'est confirmé. Donc du coup, cette mission a été vachement chiante, hein, je vous le dis tout de suite. Je déteste les missions d'espionnage. C'est horrible. Surtout que je m'en sors pas super bien. Quand les missions je dois tuer, alors ça je m'en sors super bien, mais l'espionnage c'est vraiment pas mon truc. Bref, on va aller tuer donc ce fameux Commodore. Alors j'ai deux solutions, soit je le fais à la bourrin, soit je le fais à la discrète. Personnellement, pour une fois, je vais continuer sur une voie qui est plutôt discrète. Alors attendez, hop. On va juste attendre qu'il se rapproche un petit peu. D'accord, c'est bon, je vois qui c'est. Okay, j'ai vu qui c'était. Je sais à quoi il ressemble. Il est mort. Non, on va pas mettre la vision d'aigle. Alors. Non. Ok, alors. Bon allez, j'ai envie de dire, bourrin, 10, is, Sparta. Voilà, c'est bon. Pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme? La vérole obscurcit ta raison. Pourquoi se démener à sauver de telles crapules? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. On prend exemple sur le roi Georges, rien de plus. Garde ta place, paysan. Tu m'as peut-être ôté la vie. Mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts. Espèce de larve. Ton heure arrive! Bien! Ok, bon. Alors, du coup, on se casse, et vite, parce que là, je suis toujours sur un navire ennemi, faut l'oublier. Ok, donc on se casse, et on va se rendre à la mission suivante. Alors, par contre, là, je distingue pas trop où est-ce qu'elle est, donc je vais voir si elle est loin ou pas. Ouais, du coup, on va faire un déplacement rapide, je peux me déplacer, mais non, mince, j'aurais dû synchroniser. En plus, là... Peut-être. Non. D'accord, c'est super. Chasse aux Templiers. Ok, on va faire un déplacement rapide ici, à moins que là il se soit plus rapide. Attendez, chérie. Ça c'est quoi le lockdown? On peut faire un déplacement rapide? On n'a pas l'air. Ok, donc soit lui, soit lui. Lui me paraît un petit peu plus près. Donc on va faire un déplacement rapide ici. Ou même peut-être grâce à la magie du montage, un déplacement rapide directement à la mission. Dès qu'on y aura eu la sauvegarde qui sera finie.
Merde, je peux pas me déplacer rapide apparemment. D'accord, je peux me déplacer rapidement. D'accord, c'est super. Bon, on y va à pied. Pas grave, grâce à la machine du montage, j'y serai dans 3, 2, 1. Tada! Voilà, donc on y est. Magnifique le montage, magnifique, c'est super. Bref. Presque. On a un problème avec le gagnant, en plus de quelques malédictions. Tu choisis de fumer ici, crétin! On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes. Lâche-moi, malade. Tu m'as assez cogné. Edward, je te disais, une escouade de homards s'est installée sur notre galion. Va falloir les déloger avant d'utiliser les canons contre le blocus. Ok, bon. Kamate, kamate. J'adore ce temps de chargement. Kamate, kamate, kamate. Kaola, kaola, kaola. Kamate, kamate, kamate. Kaola, kaola. Ton chargement est juste excellent. Pardon, je réfléchissais, hein, j'étais en tendu. Parce que je viens de trouver une très bonne idée. Peut-être bien une première chanson qui arrivera bientôt sur ma chaîne grâce à cette super idée. Ce sera même pas une chanson. Enfin, j'aurais peut-être compris ce qui va arriver. Les Anglais nous ont repérés. Regarde. Tout le monde a son poste. Ok, c'est génial. Non, encore une phase de tempête. Oh mon dieu. Vous vous rappelez ce qui s'était passé dans la dernière phase de tempête? Le mortier, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai le mortier au moins? C'est là qu'il faut tirer. Prêt à faire feu. Super. Apparemment, il était super loin ce mortier. Alors, oh, j'aurais peut-être dû améliorer le jackdown. Down. Et voilà, puis down. Parce que down en bas. Bien. Oh le là. Ah. Plutôt pour le bateau que je m'inquiète. Nous encore ça va, on se défend. Par contre lui, un petit peu moins. J'aurais vraiment dû améliorer le bateau. Bon ça va, les navires ils ont l'air assez endommagés quand même. Allez, on va essayer de les faire les deux en même temps. Ok, il en manque plus que un. Ah zut, j'ai plus de boulet de mortier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? A mon avis c'est une zone qui est pas encore disponible. Ah bah oui, je me suis trop éloigné de mon allié, mais oui. Complètement bête de ma part. Splendide, c'est splendide, j'ai envie de dire. Cette mission, je sens qu'elle est assez chaude. Deux. Reste près du navire. C'est une mission. Ok, alors on va reprendre. J'ai plus de boulet. Attendez, il n'y a pas la possibilité d'améliorer le jackdown sur place? Mortier. On a le mortier, on est d'accord. Entreposage. Boulet explosif, j'ai vu, on m'a dit que c'était super sympa. Boulet explosif, coût 9000 reales. 900 reales. Bon. On ira se les prendre après. Bref, continuons à scander le Royal Phoenix. Dans cette super ambiance complètement maritime et angoisse. On va juste essayer de ralentir un peu. Pour pas aller plus vite que lui en fait. Je laisse passer devant, bonjour au courage. Ok. Ok. Ok.
Non. Il faut rester près de notre allié, parce que sinon on va prendre cher. Je sais pas ce qu'on récupère à chaque fois, mais je récupère une partie de la cargaison. Ah zut, il y a des bateaux. Ah si, j'ai quand même touché. Oh là, la grosse chance, on va dire. Le Royal Phoenix est en train de prendre cher là. Ce bateau là est très le droit de vivre. Voilà, ce sont des petits bateaux hein, pour l'instant. Un des petits bateaux, mais je trouve que nous on n'est pas le meilleur conducteur de navire au monde. On va dire que on s'en sort pas si mal pour l'instant. Mais il est en train de se faire tirer dessus là ou il perd de la vie tout seul ou c'est moi? Non, je crois que c'est moi, autant pour moi. Ok, à mon avis on est un peu mort, à moins que le Royal Phoenix ne soit touché un total de 0 fois. Ce qui m'étonnerait franchement. Tout le droit de vivre. Oh, quoi que vous me direz. Oula, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu, toi. Ah là là, non. Ça sent pas bon. Pas, pas. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, hop, allez, meurs. Ah, zut, l'allié est mort. Je m'en doutais que ça allait faire ça, je m'en doutais. C'est un peu bête de ma part. Hein. Allez, on reprend. Ça devient de plus en plus hardcore le jeu, hein. Pourtant on en est qu'à 30%. 30 peut-être un petit peu plus. Reste près du navire, maintiens-le à flot. Alors, prenez le navire au mortier. Ouais, mais j'ai plus de mortier. Sympa, vous, mais... C'est vrai, si j'avais... Ah, c'est Nassau, là-bas. Les Anglais nous ont repérés. Ah oui, c'est vrai, on est en train de repartir, carrément. Dommage, Nassau, c'était un bon quartier. C'était le quartier des pirates. Le quartier des hommes musclés. J'ai envie de dire. Alors lui, il faut pas qu'il le touche. Non. Il est exposé. Il mourra pas. Ok, alors lui, il a fait cher. Ça va, le Royal Phoenix a pas encore pris trop de dégâts. Il est exposé. Faut pas laisser passer l'occasion. Ne laisse pas le couler, sinon tout est perdu. Ok, super. Il a pas l'air de vouloir défendre en fait le Royal Phoenix là. Ok, alors vous allez y passer comme tous les autres. Zut. Faites des fortiches. Surtout qu'il y a ceux-là derrière là, qui font vachement flipper. Oula, le Royal Phoenix se fait attaquer de tous les sens. Et nous aussi, vous me direz. Et nous aussi. Vous allez mourir, vous allez me saigner. Ah, vous êtes des survivants, vous êtes comme ça. Vous. Fais ça, s'il te plaît. Voilà. On sauve un monde d'équipage en chemin parce qu'on a que ça à faire. On est un peu à la ramasse par rapport au Royal Phoenix là. Oh, il fait que tourner en rond. J'ai l'impression. C'est là qu'il est le plus vulnérable. À toi, tu meurs. Récupérer, je sais pas ce que je récupère. Ah, des barils explosifs, d'accord. Le Royal Phoenix est en très mauvais état. Et là, je vois de très très gros bateaux. J'espère franchement qu'ils sont avec nous, les amis. Non, ils sont pas avec nous.
Oh my god, ils sont pas avec nous, ils sont pas avec nous. Attention, il va exploser. Ok, on va en baver les gars. Ah d'accord, il faut qu'on s'éloigne. Tu vas faire sombrer le navire, t'es loué. Qu'est-ce qui va exploser? On est passé. C'est quoi moi? Évite la flotte et on sera hors de danger. Forcez le blocus. Ennemi, capitaine. Non mais qu'est-ce qui est explosé? Tu vas bien, hein, Kenway? Ah c'est bon, on a plus besoin de protéger l'autre. Bah, c'est très bon. Alors, hop. Ouais. Ah je déteste la phase de tempête, c'est bon. C'est juste mais trop horrible. Ok, on force le blocus, allez, on force le passage. On veut passer, donc on force. Allez hop, on veut débarrer, faire peur. Ok, yes, on a réussi. À s'en aller. Génial, bon. Mais du coup, on aura réussi à s'échapper. C'était un petit peu périlleux, mais moins que la première fois avec les Vax et les Rats, là. Ah, en plus, c'était l'épisode du fail total. Total, quoi. Ça va les tenir occupés. Bref, on a l'air plutôt pas mal là. Alors peut-être que cet épisode là sera un peu plus long. Et je m'en excuse, chers amis. À croire qu'ils viennent de faire une prise. Bien, et bien écoutez, chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est déjà la fin, hein. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à me suivre sur Twitter, pas sur Facebook, parce que je n'ai pas de Facebook, tout simplement. Et bien écoutez, chers amis, je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine. Bye!